it's really nice. So shalom, shalom, everyone. And one more time, welcome to our family here at Beit Ariel. Welcome to those who are faithfully watching through different medias and sent many letters of encouragement. We thank you for that. I tell you, it's always a great joy and privilege to open up the scriptures and see what the Lord has prepared for us. And today, we will move into the second chapter of Leviticus. We will look at a special kind of offering, a bloodless one, one which will help us to draw a type of balance sheet in our lives. Are we close to God as we could be? That's what the chapter is going to ask us. Are we living according to His will? I'm very excited for this study. It is my prayer that we'll all be blessed by this very precious section of Leviticus. Now, before we begin, there's much movement in Israel concerning the Temple Mount, where soon, and according to prophecies, the third temple will be rebuilt, which may very well be rebuilt very soon, and perhaps even before the rapture. You know, first, this newly formed Israeli government wants to make the Western world plaza more pluralistic by including all factions of Judaism. That would bring in the conservative and the reformed Jews, and not only the very religious ones who have a full jurisdiction over it, as it was with Netanyahu government and as it is still at this present time. This new government is planning to enlarge the Western wall so for all men and women actually could come together and worship, as you can see on the right on the picture. And there is one thing that they are doing. They are now pushing for a better access to the Temple Mount from the Western world. This is important. The only access to the Temple Mount is this somehow flimsy wooden structure called the Mugrabi Bridge, which they deem right now unacceptable. One member of the government, Simcha Rothman, said that the issue of ascending to the Temple Mount has to be at the top of the priorities of the nation of Israel. And he added, already for many years, it characterizes our connection to the land of Israel in many ways. Another, referring to this bridge, said the situation is very far from what it should be. So why would they want to go up to the Temple Mount? La situation est très loin de ce qu'elle devrait être. Désolé pour ceux qui viennent de se joindre à nous, on a eu un problème de son au début. Et on est rendu à parler des prophéties, ce qui est en train d'arriver dans le dôme du rocher. On peut sentir qu'est-ce que Israël a comme connexion avec vraiment cet endroit où présentement on trouve le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa. Mais c'est depuis longtemps dans le cœur des Juifs d'aller là-bas aussi pour prier là-bas. Et il y en a plusieurs qui vont parler de ce temple qui arrivera dans la tribulation dans les derniers 3 ans et demi. Daniel en a parlé, Paul, Jean et Jésus, bien sûr, lui-même. Quand on regarde Israël, on voit que ces prophéties sont en train de s'accomplir et allant jusqu'au deuxième venu de Christ. Bien, j'aimerais vous amener sur un terrain où les Juifs qui lisent la parole de Dieu, ils ont deux choses. On l'appelle le parlacha, c'est une portion du livre des prophètes qui est lu chaque semaine dans les synagogues. À l'origine, même au temps de Jésus, autant la parasha que le haftarah étaient lus chaque semaine. Le parasha, ça consiste d'une portion à chaque semaine de la loi, des 5 livres de Moïse. Mais quelque part, dans l'entour du 2e siècle, et pour différentes raisons qu'on ne viendra pas parler ce matin, ça a été changé d'un cycle de 3 ans à un cycle de 1 an. Mais cela n'est pas sans conséquence. Par exemple, la semaine dernière, la lecture était dans Ésaïe 51:12 jusqu'à 52:12. Et cette semaine, c'est dans Ésaïe 54:1-10.
Malheureusement, qu'est-ce qui manque entre les deux? C'est exactement la portion très claire et si puissante au sujet du Messie qui parle de sa mort et sa résurrection et comment il sauve Israël et tout le monde de leurs péchés. Donc, cette portion est omise dans le texte présentement. Donc, ça devrait être lu aujourd'hui, mais ça ne l'est pas. Mais cette écriture, par exemple, se trouve incluse dans la cédule de 3 ans de ces lectures-là. Donc, c'est vraiment quelque chose de pas fantastique qu'ils ont fait, parce que non seulement ils réduisent le cycle de 3 ans, ils sont obligés de lire la Torah, l'Ancien Testament, les 5 livres de Moïse beaucoup plus vite, mais en plus, il y a un morceau de puzzle très important, Ésaïe 53, qui ne se trouve plus à être là. Vous savez, et Jésus et les disciples ont souvent cité le texte d'Ésaïe 53 plus ou moins directement. Matthieu, Marc, Luc, Jean et aussi Paul, Pierre et l'auteur du livre des Hébreux ont cité des portions ou des idées qui se retrouvent dans Ésaïe 53. Ésaïe 53 est cité directement 16 fois dans le Nouveau Testament et on y fait allusion au-dessus de 40 fois. Donc l'argument ici, c'est vraiment de se rappeler comment c'est important de lire notre Bible pas trop rapidement et de ne pas enlever des morceaux comme ils ont fait. Alors, comme nous allons faire selon notre tradition, nous allons commencer par la prière des enfants pour leur protection et leur santé mentale et physique. Mettez amenez vos enfants près de vous et prions ensemble pour eux, parce que la Bible parle que nos enfants sont un héritage du Seigneur et une couronne pour les parents. Prions pour eux. Bien, ouvrons nos Bibles au chapitre 2 du livre de Lévitique, qui est malheureusement considéré par plusieurs comme un livre mystérieux. On peut pas tout comprendre dans les Écritures, dans n'importe quel livre, mais ce livre-là en est un des plus pratiques pour notre vie de chrétien. Dans le chapitre 2, on passe des sacrifices d'animaux à la minha. La minha, c'était une offrande qui était souvent traduite comme une offrande de grains, mais c'est beaucoup plus grand, ça comprend beaucoup plus grand que seulement une offrande de grains. Qu'est-ce qui est minha? C'est un cadeau, un tribut, comme ce qu'on donne à un roi. Comme quand les nations sont venues pour voir Salomon, ils lui ont amené plusieurs cadeaux, minhot, plusieurs minha. Donc, dans la minha, ici, dans le Lévitique, chapitre 2, le Seigneur ouvre la voie et permet aux Israélites d'amener leur offrande dans le chapitre 1, qui était, lui, un holocauste. Mais maintenant, on passe à un autre genre d'offrande, c'est une offrande de grande, profonde gratitude envers Dieu. Donc, de la même façon que nous croyons aujourd'hui, à cause que le Messie s'est donné pour nous donner la vie éternelle, et à cause que nous avons la vie éternelle et tellement de bénédictions en lui, nous offrons notre minha, notre offrande, qui sont quoi? Nos offrandes monétaires, notre louange et une vie transformée pour le remercier de ce qu'il a fait pour nous. Donc, le titre de cette étude est « Où est votre minha? Où est votre offrande? » Nos cœurs devraient vouloir à tout prix cette profonde relation proche du Seigneur et de désirer être toujours avec lui.
On va dire un peu, on va regarder un peu ce que le chapitre parle au sujet de ces éléments-là. Premièrement, on voit qu'il y a une grande liberté dans l'offrande qu'on parle ici de la Mincha. On voit ici que une fois que la personne est déjà entrée dans l'endroit où est Dieu, comme on a vu avec son sacrifice d'Holocauste, alors là, il y a une liberté d'adoration, une liberté de la manière d'approcher Dieu. C'est à ce moment que le Seigneur demande aux Israélites d'amener trois ingrédients majeurs, surtout. Trois ingrédients. La farine, de l'huile ou de l'encens. Mais on peut l'amener de différentes façons. On peut l'amener cru, comme on voit au verset 2, donc pas cuit, ou on peut l'amener dans la forme d'un gâteau, comme au verset 4. Et ce 4, on l'appelle habituellement le mot hala, comme le pain que les Juifs mangent durant la journée du sabbat. Ou peut-être vous pourriez l'apporter comme une forme de galette ou de gaufre, de gaufrette, comme on voit au verset 4. Et il peut être grillé, on verra au verset 5, et même cuit à la poêle au verset 7. Et même au verset 14, ça peut être amené dans une forme de gruau. Donc, c'est vraiment selon la saison, parce que ça peut être autant du blé que de l'orge. Et au verset 14, on lit d'amener le bikurim, ça veut dire d'amener une offrande de bikurim qui peut être n'importe quel produit de la terre ou des fruits qui viennent d'un arbre. Donc, quel est notre plat préféré? Comment on le prépare? Ça nous montre que Dieu, il nous laisse une grande liberté d'amener de l'adoration à Dieu dans cette offrande. Et on voit que ça correspond à un chapitre du Nouveau Testament qu'on trouve dans 2 Corinthiens 3, 17. Paul nous dit par l'Esprit, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Chaque personne est vraiment différente dans ses manières de faire. Et chacun est une série de règlements fondamentaux et essentiels. Mais il y a beaucoup de liberté dans la manière d'exprimer cet amour envers Dieu. C'est pour ça qu'on voit la liberté même à travers la loi. On dit souvent que la loi, c'est dur, c'est difficile. Mais il y a une grande liberté. C'est pas une oppression, c'est pas un confinement, c'est pas une obligation dans tout. On voit ici, cette offrande est vraiment libre. Et on voit le mot liberté qu'on a vu dans Corinthiens. Dans le grec séculier, c'est le nom d'une danse. Comme une danse, comme une expression de liberté. Comme si on disait, on pourrait danser jusqu'à temps qu'on arrive avec la présence du Seigneur. Donc, le chapitre 2 nous dit que chacun a des libertés dans sa manière d'approcher Dieu. Il y en a qui aiment beaucoup les cantiques, les chants. D'autres ont un band, d'autres ont un groupe de musique. D'autres portent des kippas ou des talits. C'est un peu ce qu'on veut, en autant que le cœur est correct avec Dieu. Donc, c'est aussi la liberté dans notre Église. De choisir la journée qu'on veut adorer ou d'observer certaines traditions. Par exemple, d'être végétarien ou de ne pas manger, vous savez, comme vous voulez. Un coup qu'on a les choses fondamentales de la foi, une fois qu'on a donné notre holocauste, qu'on a donné notre vie, le reste, Dieu nous donne une grande liberté, mais Dieu prend soin de tout, il voit toutes choses, même les petits détails. Donc, Dieu est tellement grand et magnifique qu'il désire notre communion. Et il ne nous donne pas une obligation toujours dans la manière de faire. Vous savez, même au sujet des détails, la Bible nous dit que même nos cheveux sont tous comptés. Matthieu 10, 30. Pardon. Dieu est donc, il voit les moindres cheveux. Vous savez, même si on dit qu'on en perd 200 par jour, il paraît qu'on en a 100 000 sur notre tête. Donc, on n'a pas besoin de s'en faire. Dieu les connaît, chacun de nos cheveux.
une vie qui va bien dans le Seigneur, c'est aussi une vie qui prend soin des détails très minutieux de nos vies aussi. On voit que Jésus a dit ça clairement dans la parabole du serviteur, dans sa conclusion au chapitre 16 du livre de Luc, verset 10. Jésus a dit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses le sera aussi dans les grandes. » Donc, on voit ici, la manière qu'on vit, la manière qu'on pense au sujet du Seigneur, tout ça va influencer notre façon de vivre pour le Seigneur. David connaissait ça quand il a dit au psaume 139, 7, « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? » Et on voit qu'il dit à Dieu aussi à un moment donné, « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent précieuses. » Ce texte est souvent traduit « impénétrable », mais on voit que c'est pas impénétrable que David voulait vraiment dire, mais que ses pensées de Dieu sont précieuses pour lui, ça lui donne la vie. Maintenant, si on retourne au chapitre 2 de Lévitique, on voit que c'est une portion de souvenir. Il est écrit au verset 2, « Il brûlera sur l'autel cela comme souvenir. » Donc, un souvenir, c'est le mot « askara » en hébreu, que du mot « zakar », qui veut dire de réfléchir au sujet, de méditer, de se rappeler. Et ce mot est seulement appliqué à l'offrande de Mina ici. Donc, on voit comment c'est important pour Dieu cette communion entre l'offensant et celui qui a été offensé. Si on reste au verset 1 du chapitre 2, je vais le lire en mettant le mot « Minha » au lieu de « offrande de grain ». Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, « Minha », son offrande « Korban » sera de fleurs de farine. Il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. Donc, ces trois ingrédients devraient caractériser la vie d'une personne qui croit vraiment en Jésus. La farine fine, de l'huile et de l'encens. Chacune de ces choses nous disent d'amener notre meilleur à Dieu dans chaque facette de nos vies. De quelque façon que nous décidions d'amener cette offrande, c'est important, ces trois choses. Ici, le mot farine fine, c'est le mot solette en hébreu. Mais on parle ici de la plus chère type de farine qui existe, parce qu'elle était très finement écrasée et raffinée pour être la plus pure possible. Donc ça parle de notre cœur éternel, un peu comme en dedans du grain, c'est là qu'il y a la vie, c'est là qu'il y a l'intérieur. Et c'est là que Dieu nous demande de donner notre meilleur, que nous savons nous-mêmes dans notre cœur si nous le donnons ou non. Et on voit que Jésus lui-même a fait référence avec cette offrande et avec sa mort et sa résurrection. On voit ça dans l'évangile de Jean. Il y avait un petit groupe de gentils qui sont allés voir Philippe et ils ont dit à Philippe, « Monsieur, nous aimerions voir Jésus. » Jean 12, verset 21. Quand on a rapporté ça à Jésus, il n'a pas répondu à leur question directement, mais sa réponse nous amène directement à cette farine fine de l'offrande de Minha. Il les a amenés plus loin, il a parlé de sa mort, de sa résurrection et de sa glorification. Et qu'on voit Jésus dans sa totalité. Jean 12, verset 24, Jésus a dit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Donc, le grain a en vue de devenir blanc comme neige et pouvoir nourrir des gens, il doit d'abord mourir. Et ici, Jésus parle de sa propre mort et sa résurrection, mais cette illustration est aussi pour nous.
Nous aussi, nous devons être saints comme Dieu est saint, comme la parole nous dit. Et c'est un constant, une façon de se rappeler constamment qui est le Messie, qui est sans tache. Ça nous parle de farine fine, de sa pureté. Et remarquez les noms, les mots, ils restent seuls. Le mot « seul » veut dire « solitaire », comme quelqu'un qui n'a pas aucun compagnon. D'un côté, c'est que Jésus est mort afin qu'on peut être avec lui, son ami et son compagnon, parce que c'est ce que son amour nous offre. Et son amour demande d'être partagé. De l'autre côté, en acceptant Jésus comme notre sauveur personnel, on gagne un ami et non seulement un Dieu qui nous accepte. Et c'est quand on va donner notre meilleur au Seigneur et qu'on meurt vraiment au péché, c'est à ce moment-là qu'on trouve vraiment un ami en Jésus. C'est ce que Paul explique dans Romains 14, 7 à 8. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Donc, notre vie est gravée dans les mains du Seigneur. Ça doit être lui en premier. Mais on voit ici que c'est quand on fait ça qu'on met Dieu en premier, qu'à ce moment-là, Dieu nous permet de bénir les autres alentour de nous. Mais cette offrande minra est importante aussi dans toutes les Écritures. Regardez dans Genèse 18, 6, quand le Seigneur, et le mot ici est Yud-Hé-Vav-Hé, les quatre lettres, est allé visiter Abraham. Voyez comment le texte commence, verset 1, chapitre 18. L'Éternel, Jéhovah, lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Donc c'est un beau passage où est-ce que Abraham il avait de la misère à croire qu'il était l'hôte de Dieu lui-même. Il est tellement énervé, que tellement il s'est dépêché qu'on voit dans le texte, il dit à Sarah, verset 6, « Vite, trois mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. » Donc, on voit que c'est la première fois dans la parole qu'on voit le texte de la farine, de fleur de farine, la farine fine. Et donc, ça avait été offert à Dieu. Et c'est comme s'il avait dit, Sarah, trois mesures de farine. C'est comme s'il n'y avait pas le temps même de mettre un verbe dans ça, tellement qu'il a parlé rapidement. Donc, on voit l'importance de... On voit le cœur d'Abraham quand il rencontre Dieu. Ça devrait être pareil pour nous. Et c'est la première fois d'une série de 53 fois que le mot farine fine ou farine fleur de farine est mentionné. C'est toujours une offrande envers le Seigneur. Et la quantité, trois mesures de fleur de farine, c'est beaucoup. Une mesure, en hébreu, c'est le mot séa, c'est à peu près 8 litres. Alors, 3 séa, c'est à peu près 24 litres en volume de fleur de farine. C'est beaucoup de pain. Qui pouvait manger tout ça? Donc, on voit qu'Abraham a donné beaucoup, même le surplus à Dieu dans son offrande. Oups. Et la façon aussi qu'il faisait sortir l'huile de la fleur jusqu'au grain, on voit qu'il l'amenait à travers, il l'écrasait avec toute une puissance et une façon de faire qu'il restait que le meilleur. Et ensuite, ça a été, on le mixait avec de l'huile. Donc, et si on voit le mot shemen, qui est le mot huile, on voit qu'il y a un lien très fort avec Gethsémané, où Jésus était dans le jardin de Gethsémané. Gethsémané en araméen, c'est gat, qui veut dire pressoir, et samen pour l'huile. Donc, le pressoir à l'huile. Donc, c'est une image très, très forte qu'il y a ici.
c'est là, à ce moment-là, qu'on voit, on sait que la principale bataille de Jésus, la plus grande bataille spirituelle qu'il a vécue, c'est à ce moment-là, parce qu'on imagine, vu que la crucifixion était seulement quelques heures plus tard, et Jésus est arrivé à un point critique de sa vie, et c'est à ce moment-là que tous les péchés bientôt seraient pour tomber sur lui, et tous les péchés qui ont été commis dans l'histoire et seront commis sont tombés sur lui comme un sacrifice parfait pour Dieu. Et si on regarde aussi dans le terme farine de fleurs ou farine très très fine, on voit que c'est mixé avec de l'huile. On va voir ici le lien très fort entre tout ça. Le mot shemen, huile, a amené d'autres mots avec cette racine-là. Premièrement, nous avons le mot shemen, qui est l'huile. Ensuite, on a le mot shamen, qui veut dire gras ou riche. Et trois, un autre mot qui s'appelle le mot mishman, donc qui veut dire la graisse. Et quatrièmement, le mashman, qui veut dire, vous savez, de la nourriture préparée avec soin, avec richesse. Donc, le mot shamen, ça montre l'esprit du Seigneur qui travaille en nous lorsque nous donnons notre offrande, lui donnons notre cœur. Et donc, nous sommes prêts à aller de l'avant avec le Seigneur. Le troisième élément, c'est l'encens. Une fois que la farine et l'huile avaient été mélangées ensemble, alors on mettait de l'encens par-dessus. L'encens, c'est le mot lebona en hébreu. C'est aussi le mot qui est un symbole dans la Bible de prière. Comme si lorsqu'on donne le meilleur à Dieu, on parle aussi à Dieu à travers notre offrande, à travers nos prières. Donc, un rabbin, Ibn Ezra, disait que cette offrande était d'une pureté lumineuse de la sagesse céleste, parce que le mot qu'il voyait est le mot lavan, qui veut dire blanc, complètement blanc en hébreu. L'encens vient d'un arbre, vient de la sève d'un arbre et donne une odeur très plaisante et au-dessus de justement la cuisson de l'animal lui-même. Et le temple au complet, on l'appelait la montagne de l'encens, comme on le voit dans le Cantique des Cantiques, verset 6, chapitre 4. Le texte dit, avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. Ça, c'est l'endroit de la prière. Donc, on a premièrement la myrrhe, qui représente, dans le fond, la montagne de Myre est associée à le mont Moria, où est-ce qu'Abraham et Isaac sont venus pour offrir un sacrifice, et par la suite, c'est exactement où le temple a été construit. Donc la Myre, d'abord, pointe vers la souffrance et la mort du Messie. Ensuite, nous avons l'encens, qui symbolise la prière. Et voici leur importance, comment ils vont ensemble. Cette offrande était toujours mise sur l'autel devait avoir un sacrifice du sang qui devait avoir été là avant. Ce sacrifice, cette offrande, ne pouvait pas être donnée sans avoir du sang d'abord. Donc, n'oubliez pas que la première offrande, chaque jour, était l'holocauste pour le péché de la personne. Ensuite, la mina était offerte chaque jour, mais seulement après et par-dessus l'holocauste. Et c'est ce que Paul en a dit dans 1 Corinthiens 3, 11. Au sujet de cette action, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Verset 15. Si l'œuvre de l'homme, de quelqu'un, est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu.
Donc on voit ici Jésus a tout laissé pour être notre sauveur. C'est seulement normal qu'il devrait avoir la première place dans nos vies, surtout qu'il est Dieu. Donc il demande cette place-là. Donc on voit aussi que nos prières, notre travail, notre ministère doit d'abord être adressé à Dieu. On doit d'abord le faire pour Dieu et non pour les hommes. On va regarder maintenant quelque chose qui est en lien avec ça, c'est le problème de Caïn. C'est avec Caïn et Abel qu'on rencontre la première fois ce mot « Minha ». Et ce mot a servi pour décrire les deux, l'offrande de chacun, donc les deux offrandes. Donc ça, c'était avant la loi mosaïque, ou est-ce que la minha devait être le mot pour expliquer toutes les offrandes avant que ça soit détaillé dans le livre de Lévitique? Mais pourquoi Dieu a accepté l'offrande d'Abel, mais pas celle de Caïn? Genèse 4, versets 3 à 5 va nous aider à comprendre des choses cruciales au sujet des sacrifices. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Donc on voit, son visage était abattu. Pourquoi est-ce que le Seigneur n'a même pas regardé, on dirait, le sacrifice de Caïn? Le mot « regarder », c'est le mot « sahar ». Ça veut dire simplement de considérer. Donc, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné là-dedans? Voyez-vous que, premièrement, il n'était pas au bon endroit et Dieu ne pouvait pas accepter son sacrifice. Et on voit de la manière qu'il a amené son sacrifice. Vraiment, on voit que Caïn s'est montré en premier, avant Abel, avec sa mina et son offrande, et lui-même, il a offert à Dieu. Mais il n'y avait pas de sang, ni en dessous, ni à côté, ni par-dessus. S'il était venu après Abel, qui lui avait amené une offrande avec du sang, peut-être que ça aurait passé, mais c'est pas ça qu'il voulait. Il est allé en premier avec cette nouvelle religion et Dieu l'a refusé. Voyez-vous, la différence dans l'offrande, c'est celle-ci. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Abel, lui, a offert un des premiers-nés de son troupeau et sa graisse. Donc, Caïn a offert seulement le fruit de la terre, mais pas avec un cœur correct avec Dieu. Et le texte indique que ça ne dérangeait pas qu'il y ait du sang ou non. Pourtant, c'était connu depuis Adam et Ève, c'était connu depuis un bout de temps. Donc, ses actions ont montré la vraie position de son cœur. Et on voit qu'Abel, lui, a amené la graisse, symbole de la prospérité et de la santé, et de la même façon, comme on va voir plus tard, d'une offrande de paix. Donc, Abel a donné de son meilleur à Dieu, et Dieu l'a reconnu. Donc, on voit une grande différence, parce que Caïn était sûrement quelqu'un qui adorait. C'est un homme religieux, et peut-être même assez zélé. En fait, on voit ça un peu parce qu'il est venu le premier. Il est venu le premier à l'autel. Mais on voit que son cœur, et il n'a pas fait vraiment ce que Dieu a demandé. Donc, il y a une différence entre être propre et être pur. Il y a une grande différence entre les deux. C'est que quelqu'un peut être propre, mais spirituellement impur. Comme beaucoup de religions qui mettent Jésus et sa parole en dehors de leur congrégation, de leur assemblée, de leur église. Ils sont très fidèles à leur série de règlements. Ils sont propres, mais Dieu n'est pas là-dedans. Ils ne sont pas purs devant Dieu parce qu'ils ne prennent pas ce que Dieu leur donne de faire. Et c'est pour ça qu'il y a autant de religions et de dénominations. La plupart du temps, c'est que les gens veulent faire comme ils veulent et au moment qu'ils veulent. C'est le syndrome de Caïn. Au lieu d'aller voir dans la Bible, au lieu d'aller voir ce que Dieu demande, les gens font ce qu'ils veulent en disant « ben Dieu devrait accepter ça ». On voit que le livre des Hébreux mentionne Caïn, comme Jean en parle dans sa première lettre, Jude aussi, pour pas qu'on soit dans le même état d'esprit.
Donc, on voit aussi tout ça est bien illustré dans les évangiles. Parce qu'il y a une liberté dans la manière d'adorer Dieu, mais si cette façon de faire n'est pas en accord fondamentalement avec les principes que Dieu, bien, Dieu à ce moment-là, c'est loin de l'acceptation qu'il va nous donner. Dans Matthieu 9, qui est une histoire qui est répétée dans Marc 2, dans Luc 5, dans le fond, c'est comme Jésus a ri un peu d'eux autres parce qu'il leur a dit, à la réponse, ils ont demandé aux disciples, les chefs religieux, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Il a répondu, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais plutôt des pécheurs. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Donc, on voit les premiers mots de ce verset dit, « Allez et apprenez ce que signifie. » Jésus leur dit, « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Donc, il a cité les mots de Samuel, le premier prophète officiel d'Israël, qui l'a dit, il a dit la même chose, Samuel, que c'est mieux la condition du cœur que des sacrifices externes. Donc ils n'ont pas accepté ce que un peu comme Caïn n'a pas accepté ce que son frère lui disait et d'avoir été rejeté par Dieu. De la même façon, les chefs religieux n'étaient pas acceptés par Dieu. Ils n'aimaient pas ce que Jésus disait. Alors, ils ont voulu le tuer de la même esprit qu'il y avait dans Caïn. Et voici ce que Jésus en dit à ce sujet. Matthieu 23, 35. « Afin que retombe sur vous tous le sang innocent. » En fait, non. « Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. » Donc, il accuse les scribes et les pharisiens d'avoir tué Abel. Mais les scribes et les pharisiens n'existaient pas au moment d'Abel. C'est là 4000 ans. Donc, qui sont les scribes et les pharisiens? Donc, on voit que il doit avoir de la même façon que Jésus leur dit, ben ils ont le même état d'esprit. Donc c'est ce que Jésus pense d'une religion établie comme telle, mais dans laquelle Dieu n'est pas, même si la personne semble propre et cite des versets, etc. Si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, c'est vraiment pas ce que Dieu veut. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que il devrait jamais avoir, pour cette offrande, il devrait jamais avoir de levain, mais toujours avec du sel. Donc, jamais de levain, toujours avec du sel. Toujours, cette offrande devait être offerte au-dessus du feu, donc brûlée par le feu, et jamais avec du levain. Le verset 11 dit, « Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. » Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Verset 13. Vous savez, quand on voit ces deux ingrédients ensemble, ça donne une sorte de, qu'on appelle semolina, qu'on appelle aujourd'hui le couscous. Ça ressemble à ça, cette offrande qu'on vient de voir. La plupart des gens connaissent le couscous. Vous savez, ils ont fait des recherches et ils ont dit que c'était les Berbères qui vivaient dans les montagnes entre le Maroc et l'Algérie. Ce qui est intéressant, c'est que les Berbères ont lien avec les Juifs et les deux ont lien avec le couscous. L'histoire nous apprend que les Juifs s'étaient installés en Afrique du Nord, où est-ce que les Berbères habitent depuis le 6e siècle avant Christ. Mais après la destruction du premier temple, plusieurs d'entre eux y ont demeuré là. Mais dans les recherches archéologiques,
des écrits de Tertullien dans le 2e siècle et d'Augustin dans le 4e siècle, ils se demandaient comment ça se fait que les Berbères se convertissaient au judaïsme. Donc, ils ont attesté ces faits, le fait qu'ils en ont parlé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des Berbères se sont mêlés avec les Juifs à travers le temps. Et c'est pourquoi ils ont des genres de mecs qui s'appellent le couscous. Même aujourd'hui, on voit des Berbères avec des noms de Juifs qui sonnent Juifs et qui ont la peau blanche et des yeux bleus ou verts. Donc, on voit qu'il y a eu un lien entre les deux dans l'histoire et probablement que beaucoup de Berbères s'étaient convertis dans ces années-là, dans ces siècles-là. Donc, on voit dans Lévitique 2 et toutes les bénédictions qui sortent de ces textes-là, qu'on croyait que c'était des textes difficiles et durs et légalistes. On voit que ça pointe toujours vers Jésus et son œuvre grandiose. On pourrait se demander, chacun de nous, où est notre mina? Où est notre offrande? Qu'est-ce qui est notre offrande? On va aller voir dans le Nouveau Testament, le mot offrande, phrosphora en grec, à la base, dans le même sens que le mot en hébreu, korban ou minra. Et on va voir comment Paul l'a utilisé pour décrire sa minha envers Dieu. On va aller voir dans Romains chapitre 15 où Paul nous dit au verset 16 que son offrande, en fait, c'était son ministère envers les gentils. Voyez comment il formule ça au verset 16. Être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, en m'acquittant du divin service de l'Évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Donc, Paul devait avoir l'offrande dans le temple, dans sa tête, en écrivant cette phrase-là. Qu'est-ce que Paul offrait à Dieu? C'était quoi la minha de Paul? Donc, alors que Jésus était déjà venu, donc c'est pas un sacrifice d'un holocauste, mais il amenait ici son ministère comme offrande envers Dieu. Donc, c'était son ministère. Chaque gentil qui acceptait le Seigneur, qui venait à Dieu, c'était comme une partie de son offrande envers Dieu. C'était ce que Dieu l'avait appelé à faire. Pardon. Et qu'est-ce que les gentils pourraient donner en retour? Et c'est là que nous allons voir un passage merveilleux dans Ésaïe, où est-ce qu'il utilise ce mot-là. Dans le dernier livre d'Ésaïe, chapitre 66, Dieu lui donne une prophétie au sujet du peuple juif, en mettant l'emphase sur le travail de plusieurs Juifs dans le premier siècle qui ont amené la parole aux nations. Et c'est aussi sa pointe probablement au travail des 144 000 durant la tribulation. Verset 19. Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai leur réchappée vers les nations à Tarsis, à Pul et à Lud qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Et ils publieront ma gloire parmi les nations. Donc, il compare le reste de croyants, des Juifs, qui prêchaient la bonne nouvelle comme un signe, hot en hébreu, et qui est comme un miracle, qui dit qu'ils vont aller vers les nations et de proclamer la gloire de Dieu. Et voyez-vous, qu'est-ce qui est arrivé au verset 20? Qu'est-ce qui arrive au verset 20 du même texte, Ésaïe? Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande de grains à l'Éternel, sur des chevaux, des chars et des litières, sur des mulets et des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportaient leur offrande, minha, dans un vase pur à la maison
de l'Éternel. Donc, on voit ici que les gentils, on voit dans le texte, ils vont aider le peuple juif à retourner dans leur pays en tant qu'offrande envers Dieu. C'est ce qu'on a vu aussi dans l'histoire, on en a parlé souvent. La question, où est-ce qu'il est notre mina à nous? Tout ce que nous faisons vraiment pour le royaume de Dieu, ceci est notre offrande. Amen. Prions maintenant. Now, Heavenly Father, as we contemplate all that we've learned from this great book of Leviticus, today we ask that you teach us your ways, show us your path, for your ways are good ways, and all your paths are wise. Teach us common sense, Lord, as you define it. Give us your wisdom for solving our problems, for investing our time and money, and for establishing our priorities. And Lord, our God, in the Messiah, you have made us your children, and as we have heard your call and have gathered here together to praise you, to hear your word, to call on you, and to lay in your hands whatever afflicts us and whatever we need, deliver us from all that is fearful and despairing, all that is vain and defiant, even all of our unbelief and superstitions. Help us to see life in the light that is of eternity, and see you in the light of your word. All this we pray in Yeshua's name and to the congregation. The Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen.